Bonjour et bienvenue à la Minute Prévention. Cette minute a été réalisée par l'OPPBTP pour votre CHSCT. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accident vasculaire cérébral, plus communément appelé AVC. En France, on dénombre plus de 130 000 nouveaux cas chaque année, soit environ un cas toutes les 4 minutes. L'AVC ne touche pas que les personnes âgées, mais tout le monde. Chaque année, 10 à 15 000 personnes de moins de 45 ans voient leur vie bouleversée par un AVC. L'AVC se manifeste par un ou plusieurs symptômes qui surviennent en général brutalement, parfois même pendant le sommeil. Les symptômes les plus fréquents sont une faiblesse musculaire ou une paralysie d'une ou plusieurs parties du corps, une perte de la sensibilité comme un engourdissement, une difficulté du langage, un trouble visuel, un mal de tête inhabituel et très intense. D'autres symptômes peuvent aussi survenir comme une perte de l'équilibre ou de la coordination des mouvements des membres ou des troubles de la conscience. Que faire? Dès l'apparition d'un de ces symptômes, il est important d'avoir les bons réflexes. Le premier est de demander à la personne de sourire. Le second est de demander à la personne de répéter une phrase simple comme « le ciel est bleu ». Et le troisième est de demander à la personne de lever les bras en même temps. Si un de ces réflexes est difficile à faire ou à reproduire par la personne, il est nécessaire d'appeler les secours afin qu'ils établissent un diagnostic rapidement. Chaque minute compte. Agir vite, c'est capital. Même si vous risquez de déranger le SAMU ou un médecin pour rien, n'hésitez pas. Au vu d'un seul de ces symptômes, à lancer l'alerte en composant le 15. Voilà, c'était la minute prévention de l'OPPBTP. À bientôt.